Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous cette belle communauté francophone internationale dont les deux mamelles sont la France et le Québec. Et oui, les Québécois, nous, on est des Français qui vivons et des descendants français qui vivent en Amérique, qui avons été abandonnés par la mère patrie, on ne vous en veut pas plus qu'il faut, les cousins français, mais c'est quand même ça la réalité. Les autres étant des colonies hein, africaines, asiatiques ou nord-africaines, à qui on a enseigné le français, on a obligé à parler le français. Mais nous, on arrive de la mère patrie, puis on a été oubliés par nos cousins français. C'est pas gentil, ça. Chers amis, on est le 16 mars 2019, 9h17, heure du Québec. Les changements climatiques sont là, ils seront là pour toujours. Il y en aura pour toujours. Il y a des gens qui essayent de vous terroriser avec ça, nos politiciens de la gauche, mais ça marche leur affaire, oui, mais ça ne changera rien dans la réalité des faits. Tout ce que ça va amener, c'est la perte de nos droits et libertés parce qu'il faudra se soumettre à leur tyrannie. Et ça s'en vient, déjà, on a commencé à se soumettre à leur tyrannie. On... La Californie est un. Bel exemple de toute cette démence. Hein? Bon, en Californie, il y a des sécheresses depuis toujours. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un désert. Ah! C'est pas nouveau! Il fait chaud en Californie, c'est pas nouveau. Il y a des feux de forêt en Californie, c'est pas nouveau non plus. Mais il y en a de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont vivre en Californie. On essaie de tout relier ça au changement climatique à l'industrialisation. On ne sait plus comment s'y prendre pour vous convaincre. On essaie de vous faire croire que c'est nouveau, que des feux de forêt, c'est nouveau, qu'il y a de la sécheresse en Californie, c'est nouveau, que le désert s'est formé dans la nuit du quatrième jeudi au quatrième jeudi, et ainsi de suite. Parce qu'on ne sait plus comment s'y prendre. Pour vous embarquer dans le train qui va sauver la planète d'ici 12 ans. Puis pour ça, il faut voter pour les démocrates, il faut voter pour les socialistes. En France, c'est pareil, c'est les socialistes qui font la promotion de cette démence-là. J'aimerais vous rappeler que la Chine et l'Inde n'ont pas signé les accords de Paris. Les autres qui ont dit Êtes-vous malade Signer ça pour ruiner nos économies, nos pays, pour quelque chose qui n'a pas de sens Donc, on essaie, par tous les moyens de vous convaincre que ce qui se passe, par exemple, en Californie ou en Australie, avec des sécheresses, des chaleurs et des feux de forêt, que c'est nouveau. Mais c'est là depuis toujours. Le désert, c'est pas créé dans 24 heures. S'il y a un désert en Australie, en Californie, dans l'Afrique du Nord, le désert du Sahara, le désert de l'Arabie Saoudite, c'est parce qu'il fait chaud depuis longtemps. C'est incroyable. Et que c'est sec depuis longtemps. Mais ces coins secs, comme l'Arabie saoudite, je vous en ai partagé des images de l'autre jour, ont reçu des pluies diluviennes pendant des semaines et des semaines, ce qui a permis une floraison miraculeuse. Ben, on a le même phénomène en Californie. On va aller voir ça ensemble. C'est juste pour nous mettre un petit baume hein, sur nos plaies. Comme quoi, Mère Nature est plus forte qu'on le pense. En Californie, à cause des pluies inhabituelles persistantes, hein, qui tombent depuis des semaines et des semaines, ben, on a, et après ces feux de forêt qui ont dévasté certaines régions et la sécheresse emblématique hein, de l'État de New York, sécheresse emblématique, ben, on arrive avec des averses de pluie inhabituelles persistantes de décembre, janvier et février qui ont apporté aux collines et au désert, dévastés par la sécheresse, un état extraordinaire de floraison printanière. Regardez ça. C'est pas beau. Il existe de nombreux sites de super floraison dans le sud et le centre de la Californie à Borrego Springs, Joshua Tree, Temu, euh, Temocula, le lac Elsinore, I5, Grapevine, de Lucerne Valley, la vallée de la Luzerne. Donc le but de l'article n'est pas de rapporter des nouvelles, mais de donner aux gens du monde entier un aperçu du phénomène de la superfloraison et de permettre aux gens de se sentir mieux, de profiter de la beauté et d'apprécier la capacité de Mère Nature à se rétablir après une dévastation. Regardez ça, c'est pas magnifique. Donc vraiment, vraiment, c'est intéressant et ça vous démontre à quel point il faut rationaliser tout. Vraiment rationaliser que tout est cyclique et que ton robot est socialiste, communiste, vendeur d'aspirateurs, politicien actif, mais sera jamais plus fort que la nature. Jamais, jamais, jamais.